Jonathan Le Goéland s'en alla passer, bien au-delà des falaises lointaines, solitaire, le reste de ses jours. Son unique chagrin, il ne le devait pas à la solitude, mais au fait que les autres goélands ne voulaient pas croire à la gloire du vol, au fait qu'ils se refusaient à ouvrir les yeux et à voir. Jonathan Le Goéland comprit que l'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles la vie des goélands est si brève et, comme il les avait chassés de ses pensées, il vivait pleinement une existence prolongée et belle. Ces extraits du célèbre livre de Richard Bach, Jonathan Livingstone, le goéland, ils sont en plein dans le sujet de littoral cette semaine. Moi j'aime bien les goélands, j'ai de l'affection pour ces oiseaux qui depuis quelques décennies se sont installés dans nos villes côtières. Le problème c'est que la cohabitation avec les hommes est devenue très conflictuelle. L'oiseau souille les rues, les toits, chipe la nourriture et pille les naissains des mytiliculteurs. En gros, pour résumer, on pourrait dire que le goéland nous aime, mais nous, un peu moins. Il est là, juste au-dessus de nos têtes. Il plane, il tourne. Un ballet gracieux et envoûtant. Le bon moment. Et en une fraction de seconde, tout bascule. Sur les côtes du littoral, plus moyen de prendre son goûter sur la plage sans risquer qu'un goéland se jette dessus. C'est cocasse, ça peut prêter à sourire, mais certains sont au bord de la crise de nerfs. La cohabitation entre l'homme et le goéland n'a jamais été aussi conflictuelle. Qu'est-il arrivé à l'emblème de nos ports de pêche pour qu'aujourd'hui on le surnomme le rat du ciel ? Le Larus argentatus, le goéland argenté. Du breton, goéland, celui qui pleure. Bien plus imposant qu'une mouette, avec ses yeux cernés de rouge et son bec tranchant, l'oiseau peut en effrayer plus d'un. Pour comprendre comment le goéland s'est adapté à notre écosystème urbain, rien de mieux qu'une petite plage bretonne à Quiberon, un ornithologue et une paire de jumelles. Sur le toit, il y a quelques goélands. Ils utilisent le toit, enfin, de toute façon, qui est un toit à deux pentes assez marqué, comme reposoir. Hein. Ils sont juste derrière la plage et ils vivent une bonne partie de leur cycle de vie à la proximité directe des bâtiments. Et la proximité de l'homme ne les effraie pas outre mesure. Alors là, il y a deux ou trois oiseaux là, qui sont en train de tourner au-dessus de la plage et ou alors en train de marcher sur la plage. Et ils sont pas spécialement agressifs, ils sont en train de se balader. Il y en a un qui cherche est-ce qu'il reste des chips quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose à manger quoi, potentiellement. Les quelques gaufres ou glaces qu'ils sont capables de chaparder, c'est pas ça leur régime alimentaire. Hein. C'est des oiseaux qui continuent à se nourrir sur les cailloux, des moules, derrière les bateaux de pêche. Voilà. Là, il y a une opportunité en plus, ils la saisissent. Enfin, voilà, je vois ça un peu comme ça. On retrouve le goéland argenté le long des côtes de Scandinavie jusqu'au Portugal. C'est un charognard qui mange à peu près tout ce qui lui tombe dans le bec. C'est aussi un kleptoparasite, un pique-assiette en quelque sorte. Pour se nourrir, il a la fâcheuse habitude de voler la pitance des autres oiseaux. Concentré sur les rivages, il a suivi l'homme en remontant les estuaires pour coloniser l'intérieur des terres. Depuis la fermeture des décharges à ciel ouvert dans les années 70, le goéland trouve dans nos villes un formidable garde-manger. Et en quelques décennies, il s'est installé sur les toits de nos maisons et de nos HLM. Camille, il y a un poussin de 2 semaines dans la gouttière là, qu'on n'ira pas chercher parce qu'il est inaccessible. Il faut le noter. Alors. À Lorient, l'ancienne base sous-marine offre un formidable terrain d'études.
Les toits du K3 abritent l'une des plus grandes colonies de reproduction de France. 500 couples nichent là, en toute quiétude. L'homme en a fait un espace protégé pour étudier au plus près ce goéland urbain. À partir du moment où on est rentré sur la colonie, les oiseaux sont en alarme. On les dérange, forcément. Ça, c'est des poussins qui n'ont pas encore atteint l'âge suffisant pour pouvoir être bagués. Quelqu'un l'attrape, lui ? Bon, c'est assez original de baguer des oiseaux marins sur les toits de la ville de Lorient, quand même, malgré tout. Hein. On est plus habitué à faire ce travail-là sur les îlots marins, donc en mer, dans les archipels, etc. Donc on pose une bague de couleur avec une combinaison avec des chiffres et des lettres là, qui se lisent bien de loin et qui permettent de repérer de manière individuelle l'oiseau avec une paire de jumelles ou une longue vue. Donc on va prendre un certain nombre de mesures biométriques sur l'oiseau pour savoir qui il est exactement. Les adultes, là, ils sont juste derrière. C'est eux qu'on entend râler un petit peu, là, parce qu'on est en train de s'occuper des poussins. Mais c'est plus de la défense, de toute façon, que de l'agressivité. Et j'ai été tapé peut-être une fois ou deux sur le crâne par un goéland ou une sterne. Donc ça montre quand même que c'est extrêmement rare, quoi. Deux CTH. Les conditions de reproduction pour lui sont toujours assez favorables en milieu urbain et sur les toits notamment. Hein. 64,1. L'espèce ne rencontre finalement assez peu de prédateurs. Donc pas de renard, pas de chien, pas de dérangement anthropique par exemple. Et du coup, il a conservé l'habitude de se reproduire sur les toits des villes. Quoi. Et par ailleurs, on se pose des questions. Est-ce qu'un goéland urbain, il va forcément être amené à se reproduire en milieu urbain ou est-ce qu'il a encore le choix ? Du coup, 40,2 de retourner vers le milieu naturel pour de vrai et de rejoindre une colonie sur les îlots, par exemple. Quoi. Allez hop, en route. Une légende raconte que les goélands portent l'âme des disparus en mer. On dit que celui qui le chasse de son bateau sera maudit à jamais. Longtemps, le destin du marin et celui du goéland ont été intimement liés. Mais l'image de l'oiseau accompagnant les bateaux appartient désormais au passé. Avec l'interdiction des rejets en mer, l'oiseau et le pêcheur tracent aujourd'hui des sillons contraires. Près de Granville, en Normandie, le goéland est devenu la bête noire des cultivateurs de moules. Mytiliculteurs et goélands sont en compétition sur le même territoire. Ça se mérite, la moule de Bouchot. Faut tout faire pour la protéger, car la pauvre, elle est attaquée par les hauts, par les oiseaux, par les bas, par les crustacés. Ah là là, le métier est dur. Le problème que nous avons ici sur certains secteurs, c'est le goéland Grandvillé, si on peut l'appeler comme ça, qui niche au niveau du roc, qui lui, hors période de marée, va se nourrir dans les décharges et dans la ville. Et en période de marée, eh bien, du haut de son perchoir, il voit les moules, il déploie ses ailes et il arrive tout de suite sur nos concessions. Donc on voit que la prédation est très rapide et une catastrophe pour nous. C'est à marée basse que là on peut vraiment se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Vous voyez, sur 50% du pieu, il n'y a plus de moules. Ceux-là, ça va faire une semaine qu'ils ont été tournés sur les poteaux. Les moules ont commencé à se développer, à s'étaler.
enfin, celles qui ont été épargnées de la prédation, parce que le restant, regardez, voilà, 50%, c'est naze. C'est bon à refaire. Et à refaire pendant combien de fois? Jusqu'à temps qu'il ait changé de menu. Pour lui, c'est un régal, il est à l'apéritif, il a l'impression de manger des cacahuètes. C'est tout de suite décortiqué, il n'y a plus qu'à gober. Donc voilà le triste résultat. Là, le plus simple, c'est quand même de faire comprendre aux goélands qu'ici, c'est notre territoire. On est prêt à le partager d'une façon un petit peu, mais pas à 50%. Pas à 50%, c'est pas possible. Pour reconquérir leur territoire, les mytiliculteurs se sont organisés. Le préfet leur a accordé le droit de les effaroucher avec des balles à blanc. Je pense qu'il a subi une mutation, une évolution dans son comportement qui font que, bien, on se demande si c'est encore un animal réellement marin et sauvage et du large. C'est plus un animal, maintenant, on commence à le croiser à 80 km dans les terres. Bon, la mer commence pas si vite. Il faut se poser des questions. Alors après, vouloir le protéger, je le conçois. Je le conçois fortement. On ne peut pas faire disparaître une espèce. Mais ça va être dur de la maintenir en vie. Si elle n'a plus d'instinct plus ou moins naturel, si je puis dire, je ne sais pas comment va se développer notre ami goéland. Goéland réveille chez l'homme ses peurs les plus profondes. Comme dans un mauvais remake des oiseaux d'Hitchcock, certains craignent une invasion de l'animal dans nos villes. Comment déloger ce voisin sans gêne, voleur, criard et qui laisse défiante un peu partout où il passe? Pour répondre à la colère des citoyens, certaines municipalités ont pris le problème à bras-le-corps. Elles ont obtenu le droit de stériliser les œufs du goéland argenté. Donc Miguel, on va intervenir au 24 rue Moka. Il y a des nids sur le toit terrasse là-haut. Ouais. D'accord, tu prends l'échelle, stérilise et on y va. Dans les villes du littoral, des hommes, couvreurs de métier, sont embauchés pour grimper sur les toits à la recherche des nids de goélands. Une chasse aux œufs organisée à Saint-Malo chaque printemps depuis 15 ans par Sébastien. Je vais vous laisser y aller parce qu'ils vont attaquer et j'ai pas de casque. La stérilisation se fait par une injection de produits en fait à base de formol. Ça empêche l'œuf d'éclore. L'oiseau ne s'aperçoit pas tout de suite que l'œuf ne va pas éclore et donc au bout d'un mois, il n'a plus le temps de faire d'autres œufs puisque sa période de reproduction est finie. Et nous, on espère en fait qu'ils retournent en fait dans leur habitat naturel, quoi. C'est-à-dire dans les falaises, sur les rochers, faire nidifier là-bas. Tu fais le tour, Miguel, du bâtiment pour voir s'il n'y a pas d'autres nids. Ça arrive de temps en temps que les goélands nous reconnaissent. On est que dans la rue qui commence à crier et à sentir qu'on va arriver. Et il y en a qui poussent leurs œufs de leur nid pour les envoyer dans les gouttières pour pas qu'on les trouve dans le nid. C'est eux là-bas? Ouais, je pense que c'est le couple de goélands en fait à qui appartient le nid en fait et qui nous regarde de loin en fait savoir en fait ce qu'on est en train de faire. C'est possible qu'ils chargent, là ils vont avoir tendance à moins charger parce qu'il n'y a que les œufs, il y aurait un petit, je pense qu'on serait plus embêté que ça. À Saint-Malo, plus de 600 nids sont traités chaque année. Pour certains, la stérilisation ne ferait que déplacer le problème d'un immeuble à un autre.
À partir du moment où il maigrit, c'est pas logique. Donc faut vérifier la température au cas où. Il y a 10 ans, un homme s'est endetté pour créer un centre dans le Morbihan pour secourir des animaux blessés. Chaque année, son association Volée de Piaf vole au secours de plus de 3000 animaux en détresse, dont 800 goélands. Voilà des petites quelques jours, donc tomber des toits. Un petit comme ça qui tombe de 15 mètres de haut, c'est pas évident qu'il en ressorte en bon état. Et donc, voilà, ils ont tous leur caractère, c'est ce qu'il y a de bien chez le goéland. Comme chez les gens, il y a des doux, il y a des tendres, il y a des rouspéteurs, il y a des fugueurs. 319. Certaines personnes nous disent ils nichent sur les toits, ils tombent des toits, c'est complètement naturel. C'est aberrant. Quand un goéland se prend une voiture, les gens nous disent ah, il avait qu'à pas être là. Non, la voiture, elle avait qu'à pas être là. Ouais. Il y a 70% des animaux qu'on accueille ici sont dus à des causes humaines. L'homme adore l'animal sauvage, condition qu'il ne l'emmerde pas. Donc à partir du moment où il y a une fiente qui traîne, à partir du moment où il y a une plume qui tombe là où il ne faut pas, à partir du moment on n'en veut plus. C'est bien l'animal sauvage chez le voisin, mais pas chez soi, quoi. Donc maintenant, c'est à nous vraiment de se dire qu'on ne peut pas faire autrement. De toute façon, il faut se dire que la nature elle sera toujours plus forte que nous. Donc on ne peut pas faire autrement que de vivre avec eux. Donc il faut les comprendre, il faut plus que les accepter. Il faut vraiment être avec eux. Il y a tout un côté relationnel, profond, avec l'animal que l'on doit avoir, qui n'est pas un côté gnan-gnan, je vais papouiller la bestiole. C'est la relation profonde de l'homme-animal. Comment est-ce qu'on est et comment on vit avec eux. C'est... Voilà, se disant que l'homme est doué de réflexion. Véritable arche de Noé, le centre accueille tous les animaux sans distinction. Les mal-aimés, les maltraités, les laissés pour compte. Tous ceux que l'homme a abîmés. Didier travaille là plus de 100 heures par semaine. Un travail de titan pour tenter de sauver ce qui reste de notre humanité. C'est tout là-bas, le dernier biberon, je l'ai fait à 7 heures. Donc là, il est 11 heures. Toutes les 4-5 heures et puis la nuit, je fais pareil toutes les 5 heures. Donc là, tu vois, ça, c'est ceux qui sont tués à Lorient. Oui. Donc, là, celui-là, on voit bien que la tête a été écrasée. Ouais. Un gros coup de botte. De toute façon, le bec est éclaté, tout est éclaté, quoi. Voilà, c'est pas en tombant qu'ils se font ça. Il y a les gens qui jouent au foot avec, il y a vraiment de tout. L'atrocité humaine n'a pas eu de limite là-dessus. Tous les ans, au même endroit, on a des goélands qui sont plombés. On a beau prévenir la gendarmerie, l'ONCFS et tout, ce sont des goélands. C'est vraiment un mal-aimé. Les volées de Piaf ont beau avoir le sourire, leur arche de Noé navigue à contre-courant. Sans subvention, le centre vit sous la menace permanente d'une fermeture. Tu viens, Charlie? Viens, viens, Pépère, viens. Charlie, allez, viens. Viens. Charlie. Viens, viens. Viens, Charlie. Charlie. Viens, Pépère, viens. Viens, viens, viens. Sur l'île Grande, dans les Côtes d'Armor, une femme brave l'interdit. Celui de nourrir le goéland au risque de s'exposer à une amende de 450 euros. Tu veux des frites? Mais pour Chantal, son amitié avec Charlie n'a pas de prix. Hop. Charlie! Charlie! Ça fait 5 ans qu'il est avec moi, il est arrivé par hasard. Voilà.
Et donc, il était sur le toit du voisin. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Je l'ai appelé, j'ai dit « Charlie, tu viens me voir ». Et hop, il est arrivé à mes pieds et depuis, il ne m'a plus quitté. Je pense que notre relation est vraiment fusionnelle. Hop là. Non, non, bouchon. Non, bouchon. Laisse Charlie. Il est très jaloux que Charlie mange des croquettes. Tu laisses, hein, bouchon. Tiens, Charlie. Il a un bec assez puissant. Vous voyez, je mets un petit peu d'écart entre nous deux. Parce que pour moi, c'est un animal sauvage. Même si notre relation n'est plus sauvage. Hein, hein Charlie? Ben oui, je pense. Allez, viens. On y va? On y va? Un goéland vit entre 30 et 40 ans. La promesse d'une grande et longue histoire entre Chantal et Charlie. Ce qui est bien dans les animaux, c'est que tout ce monde, cette turbulence qu'il y a autour de nous, vous regardez un animal, ben vous êtes apaisé, vous avez l'impression de vivre un petit peu en osmose en fait avec l'animal. C'est dommage que le monde ne soit pas dans le même état que je ressens avec cet animal, quoi, voilà. Charlie, viens. Je pense qu'il est un petit peu jaloux et il ne souhaite pas avoir quelqu'un autour de moi et il me veut pour lui tout seul, voilà. Il n'aime pas que Bouchon m'accompagne ou que ce soit Bibi, le chat, et voilà. En fait, tout compte fait, il doit être amoureux de moi, je pense. Allez. Allez, gros pépère. Alors, celui-là, on se méfie. Et quand il va... Ah, purée. Allez, il faut que tu ailles vite dessus. On va jamais y arriver. Hop, voilà, c'est bon. Voilà. T'as toute une habitude à prendre, tu vas voir. Au niveau de la capture des goélands, il y a toute une habitude à prendre. C'est le grand jour chez les volets de Piaf. Après un mois de captivité, nourri par la main de l'homme, les oiseaux remis sur pattes vont rejoindre leur milieu naturel. Un gros pépère. Il est énorme. Un lâcher de goéland à une dizaine de kilomètres du centre. Je ne sais pas comment toi tu vas ressentir le relâcher de la bestiole, mais souvent, moi, depuis 10 ans qu'on fasse ça, j'ai toujours un petit pincement au cœur au moment du relâche. Parce que c'est quand même... Tout ce qu'on a fait depuis un mois et demi, c'est la récompense, quoi. C'est... Il n'y a même pas besoin de croiser les doigts. On sait que ça va toujours bien aller. Mais ouais, toujours. Voilà. Donc là, on va tout au bout à gauche. Allez, on est parti. La liberté est pas loin, les jeunes. Voilà, on peut vous lâcher ici. Toi, tu ouvriras celui-ci et j'ouvrirai le... Voilà, donc tu... Attends, attends. Vas-y, et voilà. Allez. Ah bah, ils sont un peu choqués au début, pour certains. Voilà. Voilà à quoi on sert. C'est génial. Allez, pépère. Ouais, vas-y. Et voilà, en hélicoptère. On se dit, waouh, est-ce qu'ils vont réussir à se débrouiller? Dans quoi on les relâche? C'est pire que nos gosses, des fois. Non, c'est vraiment c'est la belle récompense. Là. C'est pas au casse-pipe qu'on veut les relâcher, c'est vraiment à la vie. On les remet à la vie, quoi.
C'est bien. Salut les titis. La nature, c'est l'autre. C'est ce qui résiste à la volonté de l'homme. Le goéland est détesté parce qu'il a fini par nous ressembler. Peut-être un peu trop.